c'est l'heure. Oui, c'est parti. C'est parti. L'herbe est décidément plus verte chez eux. Hey. Allez, bouge-toi. Allons-y. La journée commence. Courage. Mais tu vois, on ne bat pas un vieux comme ça. Oh, je m'en rends compte. Allez. Remonte doucement pour récupérer, d'accord? Oui. N'oublie pas de t'étirer. Oui, j'oublie pas. C'est bien. Tout le monde debout, c'est l'heure. Lève-toi, on est en retard. Attends. Ouvre tes petits yeux. Je dors. Papa! Oh. Bonjour. D'accord, laisse-moi encore 5 minutes. Alors, je vais sous la douche. Il est cuit, Miles. Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que tu me fais une omelette? Sûrement pas. Pourquoi? Tu prépares le petit-déj de papa quasiment tous les jours. Papa paye les factures. Tu veux un peu de mon bacon? Je ne mange pas de viande, merci. C'est cuit, Madeleine. Super croustillant. Voilà. Alors, tu me crois maintenant? Recule, l'huile est bouillante. Vous vous moquez de moi? Qu'est-ce qui ne va pas, les enfants? Il recommencera pas, il a compris. On n'aurait pas ce genre de problème si dans la famille, on ne mangeait pas de chair animale. Oh, merci, monsieur Gandhi. Ah, chaud, 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 chaud. Ce truc va me rendre fou. Jerry, s'il te plaît. Et qu'est-ce qui est bon au petit déjeuner? Je vais vous le dire. Des céréales. Vous savez pourquoi? Ça ne prend jamais feu. Jamais. Papa, bonne c'est idée. Les piles. Je vais les changer. Ouais, t'as qu'à faire ça. Ah, et il faudra penser à en acheter. Jerry. Je sais, Levi. Tu l'as beaucoup. Merci. Miles. On a des donuts. Non, mais tu peux prendre tes vitamines. Tiens, ouvre la bouche. Je suis obligée. Mâche. Ah. Ne triche pas comme la dernière fois. Joy. Oui, papa. Il faudrait que tu emmènes le chien se promener. Et sois bien sûr qu'il fait le numéro 1 et le numéro 2. Pourquoi ça tombe sur moi à chaque fois? Parce que c'est ton chien. Il est à la famille, Zach. C'est toi qui l'as adopté. Écoute, à l'époque, j'avais juste 4 ans. Et puis c'est maman, techniquement, qui l'a adopté. Miles, mon ange, c'est toi qui vas y aller. Moi? Ouais. J'étais même pas née. C'est toi qui le préfères. Il y a toujours un numéro 1 et un numéro 2. Sacré bol. Merci. Pendant ce temps-là, préparez-vous tous les deux. Levi, on y va. On dit merci à sa sœur. Merci, Joy. Est-ce que quelqu'un aurait vu mes clés? Pourquoi t'as mis si longtemps? Papa trouve pas les clés de la voiture. D'accord, tout d'abord, baisse la voix. Ensuite, en rentrant, il avait son coupe-vent. Vérifie les poches. On a une grave crise clé de voiture. Je sais, Miles s'en occupe. J'ai trouvé les clés. Génial, fiston. Pas par là. Zach. Allez, vite. Courir ou non, ça nous aidera pas. Oh, quelle sagesse, quelle belle attitude de gagnant. On y va. Allez, on y va. Pourquoi tu cours? Papa, t'as pas besoin de ça? Levi, c'est toi le responsable maintenant. Attends, fais voir. Merci. De rien. C'est parti. Ça te gêne pas? Pas du tout. T'as fait réparer la voiture? C'est sur ma liste. J'étais censée monter devant. C'est si grave que ça? Je sais, mais je suis plus grand que toi. Démarre. Croisons les doigts. Je comprends toujours pas pourquoi vous y allez pas ensemble. Les Wellman et nous ne sommes pas du même monde. Ça veut dire quoi? Elle est bien trop cool pour nous. Ne dis pas de bêtises, y a pas plus cool que nous. Regardez. Oh, cool, non? C'est bon, allons-y. Ah, mince. Faudra penser à changer de voiture un jour. J'aurais pas dû faire le fier. N'oublie pas, je te connais pas. Pourquoi tu serais pas comme les autres après tout? J'arriverai à battre mon père. Enfin. C'est la classe, non?
Oh, comment tu peux boire ça? J'ai pas dormi de la nuit. Tu veux savoir combien le professeur Klausmier a de crédit? Non, merci. Le hacking est illégal. C'est ton problème, tu sors pas des sentiers battus. D'accord, ça, c'est pas mon problème. Parce que toi, tu t'abîmes le dos et les yeux aussi. Alors que moi, j'active mon cerveau droit et laisse parler mon inconscient. Tiens, prends une carte. Ma mère m'a déjà lu mon horoscope au petit-déj. Oh, ces cartes n'ont rien à voir avec ça. C'est tout aussi ridicule. L'inconscient modifie souvent le cours de nos actions. C'est pour ça que j'ai toujours la même carte? Si seulement. À toutes. À toutes. Tellement parfait. Il sent bon comme une tarte aux pommes chaudes. T'as déjà été assez près de lui pour sentir son parfum. Pas la peine. Ce genre de senteur, ça se déplace. Tu vois ce que je vois? On bouge. Oh. T'as vu un peu cinéma? Oui, ridicule. Qu'est-ce que tu fais? Je visualise la paix dans le monde. Tu n'as qu'un mot à dire et je brûle ses cheveux. N'hésite pas, fais-le. Ne le prends pas au pied de la lettre. Tu m'expliques? Je suis derrière toi, mais c'est un concept. Bonjour à tous, les musiciens. Comment vous vous débrouillez avec vos partitions? Bien. Je vais te la faire. Je meurs d'ennui. Je hais ce triangle. Oh, je vois. Joy. Oui? Voudriez-vous jouer pour nous? Bien sûr. Ah, elle veut jouer avec Tom Addison. Surtout si elle peut mettre la main sur son instrument. Brûle ses cheveux. Ça suffit, Brie. Continuez. Oui. Splendide. Splendide. Et je pense que vous ne serez pas surpris si je veux que ce soit vous qui fassiez le solo pour le concert de Noël. Ah. Oh. Mademoiselle Hockstetter était déjà soliste pour Halloween, il me semble. On ne fait pas un solo avec un triangle, Brie. Ah, je ne voulais pas parler de moi, Monsieur Elderberry. Je dis simplement que d'autres élèves devraient avoir leur chance. Joy fera le solo. Continuez. Ok. Joy, te voilà enfin. Est-ce que t'as les clés? Ah, non, j'ai donné les miennes à Miles. Oh non, en plus on est mardi, il est au centre de plein air. Club de scout. C'est pareil, non? Pas du tout. Ah, si. Oh, tu sais ce que ça veut dire, hein? Faut que tu rentres par la chatière. La quoi? La chatière du chien. Non, non, je suis trop grosse pour ça. Mais non, pas du tout. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Je te répète, j'ai dit non. Bon, cette porte est fermée. Ah! Et papa sera pas là avant 3, voire 5 heures, alors si d'ici là tu changes d'avis, dis-le-moi. J'ai une idée. Quoi? Regarde. Choisis-en une. Pas question. Tu n'as pas envie d'en savoir un peu plus sur ta vie? Ma vie? Ouais. Ma vie? Bon, écoute, on est venu au monde, on a grandi, maman nous a quittés et papa est en dépression chronique. Quel passage te manque? Je croyais juste que... ça pourrait t'intéresser de... d'approfondir la compréhension de ta situation actuelle. Oh, notre situation est très simple. Le truc, c'est qu'on est enfermé dehors, petite sœur. Et c'est pas tes absurdes petites cartes qui y changeront quelque chose. Changer.
Je l'ai tiré deux fois aujourd'hui. Tu la mets au milieu des chaussettes de Miles, ça lui servira de pense-bête. Famille. Si seulement c'était si facile. Allez, par pitié, s'il te plaît, essaie de glisser ton petit derrière par la porte du chien. Lévi, Lévi, non, non, Lévi, oh, pas ça. Lévi, couché, couché. Allez, t'y es presque. Allez, un dernier petit effort. Hé, pourquoi t'essaies pas un de tes trucs de yoga pour respirer? Je ne fais pas de yoga. Eh ben, tu devrais. Aouh, tu crois que ça m'aide? Oh, je t'avais dit que ça marcherait pas. Zach! T'as l'air d'un trophée de chasse. T'as trouvé une fenêtre ouverte? Non, j'ai trouvé une clé. Et où tu l'as trouvée? Tu te souviens, la dernière fois, t'as dit que je ferais bien de cacher une clé quelque part dehors. Ouais. Eh ben, j'ai caché une clé quelque part. C'est vraiment très drôle. Sors-moi de là immédiatement! Est-ce que j'ai l'air d'un pompier? Oui, mon beau. Encore un jour de passé. Encore un jour de passé. T'as une minute? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on aura un sapin cette année? Ouais, bah c'est pas génial pour l'environnement. Et en plus, c'est cher. J'aimerais en avoir un. Maman, c'était un de ses trucs préférés. Oh, maman avait plein de trucs préférés. Oui, mais... elle adorait faire le sapin. Moi, non. D'accord? Je veux que tu ailles te mettre au lit maintenant. Tu devrais dormir à cette heure-ci. Ok. Je suis désolée. Allez, grimpe. Tu sais quoi? Quoi? Eh bah, cette année, on fera un très joli sapin de Noël chez nous. Je m'en occupe, Trésor. Merci. Bon, c'est l'heure de dormir. Range ton uniforme et ne m'oblige pas à répéter. D'accord. C'est gentil. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit. Je comprends pas pourquoi. T'as fini ton petit 5 dollars. Tu crois que j'ai une planche à billets? Une planche à dollars? Oui, une planche à billets. Merci. Voir. T'as encore de la confiture sur la bouche. Tu dois te brosser les dents après le petit-déj. Bonne nouvelle, t'es encore à moitié endormie. Mauvaise nouvelle, t'es encore un enfant. Oh non, ma clarinette! C'est pas mon problème. Thank you.
Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai eu... Crois-moi, je suis désolée. J'ai pas eu le temps, je suis vraiment désolée. Oh. Aide-moi. Joy. Joy, lève-toi. Qu'est-ce que... Pourquoi je suis là? Tu courais et t'es tombée. Ah bon, je courais? Oui, je voulais rattraper mon père. Tu te fais ma tête, c'est ça? Je t'avais dit qu'on ne devait pas faire la course. On faisait la course? Arrête de faire l'imbécile, Joy. Je déposerai ton sac à dos près des portes. Ça alors? Oh, oh. Oh. C'est à moi? Attends! Non, 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 non! Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Aller comme ça. Oh. Oh. Tom Madison? Christophe, t'es fâché contre moi? Quoi? Ouais, t'es toute bizarre. Je... Ah bon? Allez, fâche-toi autant que tu veux, mais c'est pas ma faute si tu as un corps si parfait. Moi? Joy, t'as repris de ces super vitamines, c'est ça? J'en sais rien. J'ai pris quelque chose, en tout cas. Ah, oh, je sais ce que tu as. C'est la bague qui t'a contrarié. Est-ce que t'es sérieux? C'était juste pour que tout le monde sache qu'on est un vrai couple. Allez, viens. Un couple? Je veux pas aller en cours. Non? Non, je veux rester avec toi. Oh. Oh. C'est... On se voit dans 2 heures, bébé. J'ai vraiment craqué. C'est sûr. Salut, ma belle. Trop top. Trop mignonne. Moi? Alors, on va où ce week-end? Peut-être qu'on pourrait faire les boutiques de West Side. North Side, plutôt. Quoi? South Side, je parie. East Side Plaza. Il y a une différence? Attends. T'es pas obligée de décider maintenant. Réfléchis, on adorait y aller avec toi. Oui, c'est ça, réfléchis. Peu importe, après tout. D'accord. Mais... Bon, à tout à l'heure. Bisous, bisous. Bisous. C'est quoi ce bazar? Je comprends rien. Désolée, je suis en retard. Bon. Monsieur Elderberry, j'ai dû laisser mon instrument dans la voiture. Excusez-moi. Désolée, ma clarinette. Wow, t'es drôlement insolente.
première clarinette. Je joue le solo. Non, je ne crois pas. Comment ça? Vous êtes en train de me taquiner? Non, pas du tout. Vous n'appartenez pas à cette classe. Mais... c'est bien ici, l'orchestre. Mon nom à moi, c'est Joy. Vous vous rappelez? Dépêchez-vous de trouver votre place, jeune fille. Nous avons beaucoup de travail. Votre température est normale. Elle est normale. Je ne me sens pas normale. Et je n'ai pas l'air normale, ça c'est sûr. Je devrais appeler votre mère. Alors, bonne chance. Quel numéro j'essaie en premier? 325-0100. Je vois bien trois numéros, mais celui-là n'est pas sur la liste. Oh, est-ce que je peux voir? Oui, bien sûr. Merci. Joy... Wellman? Joy Wellman? Joy Wellman? Ah, oh, je suis Joy Wellman! Ne te presse pas, chérie, va doucement. Comment tu te sens? Honnêtement, je crois que j'hallucine. Ok, c'est peut-être la fièvre. Ou peut-être que tu as trop couru. Oh. Oui, je courais quand quelque chose de bizarre est arrivé. Je le savais, je l'avais dit à ton père, tes séances de musculation sont trop dures. Musculation? Je peux poser une question? Oui. Où est-ce que tu m'emmènes? À la maison. Chez moi, à Elm Street. Oui, là où tu vis depuis toujours. Au 242 Elm Street. 244 Elm Street. D'où Jésus, allons-y. Allez. C'est sûr, cette voiture, je l'adore. Ne recommence pas avec ça. Tu sais que papa a dit qu'à 16 ans, tu auras exactement la même que celle d'Ève. Pour de vrai? Oui, tant que tu joues avec la première équipe de la ville. Oui. Tu sais, c'est cool de me ramener, merci. C'est normal, ma lumineuse et tendre étoile. La plus étincelante du ciel. Eh bien, ta grande sœur aussi est ma lumineuse et tendre étoile, enfin, certains jours. Avoir une sœur, c'est trop cool. J'ai toujours rêvé d'avoir une sœur. C'est bien d'être positive. Et Tom Addison, c'est mon petit ami, hein? Joy, est-ce que tu es enceinte? Quoi? Non, non! Parce que si c'est ça, il faut me le dire. Non, je te le jure, je l'ai même jamais embrassé. Je préfère. Ne me fais pas de frayeur, Joy. Ouh. Donc c'est vraiment mon petit ami. Je n'approuve pas que vous alliez tous les deux dans son cabanon. Je crois avoir été très claire là-dessus. Son cabanon? Juste lui et moi, c'est ça? Tu as dit que sa cousine venait avec vous. Oui. Tu es sûre? Je suis sûre. Oui. There's a chill in the air, so crisp and so fresh that Frosty himself would be proud. There's a cheer everywhere, for time's drawing close when loved ones and friends gather round. It's a feeling of joy in every girl, every boy, knowing Santa soon will be here. It's the time. Joy, sauve la voiture, viens. The most magical time of year. See the lights, how they glow. Trees as it snows, as shoppers fill up every street. Faces full of surprise and such twinkling eyes on every child that you meet. It's the time we all know, no matter how young or old, we're magically filled Léo up. Léo Wellman. Vert et rouge, c'est un peu vu et revu, non? Ça va? Oui, c'est juste que tout est tellement joli ici. Ça renouvelle l'esprit de Noël, tu ne trouves pas? Oh, il y a mon nom sur une chaussette. Évidemment, chérie. Rien n'a changé, à moins que tu ne remarques les nouvelles guirlandes que j'ai suspendues. Oui. C'est peut-être bien ça. Le turquoise est une couleur gaie, n'est-ce pas?
Tu veux manger quelque chose? Oh, je me souviens pas de la dernière fois qu'on m'a fait une telle proposition. Ne sois pas sarcastique, tu dois suivre ton régime d'entraînement. Exact. Tu veux boire quelque chose? Il y a du jus d'orange? Oui, bien sûr. Oh non, tiens, de cranberry. Si tu veux. Ou alors... goyave? Il est au frais. C'est la porte du royaume magique. Du calme. Donc, tu es toujours là quand je rentre, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et c'est toi qui cuisines toujours tout ce que je mange, non? Oui, je sais. On est très exigeants envers ta santé, ton père et moi. Attends, c'est toi aussi qui fais le ménage, la lessive, ce genre de choses? Oui, mais pourquoi tu me demandes tout ça? Je veux... te dire merci. C'est tout, on ne te le dit pas assez souvent sans doute. On devrait. C'est vrai. Tu devrais monter dans ta chambre et t'allonger un peu. Oui, tu as raison. Maman? Oui, chérie. Rien, je vais me reposer. Essaie de faire une sieste. Le sens de l'organisation. Oui, je sais. Ouais. Tu veux pas que je t'aide un peu? Ne t'occupe pas de ça, chérie. Va te reposer. Et voilà, c'est rangé. Bon, bien, je vais le boire. Wow. Tu es arrivée tôt de l'école aujourd'hui? Oui. C'est pas juste. Oh. On est des sœurs, n'est-ce pas? On doit toujours être à égalité. Oui. Des sœurs? J'ai toujours rêvé d'avoir une sœur. Est-ce que tu te moques de moi? Quoi? Non, 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 je ferai jamais ça. Non, non, hein, je ferai jamais ça. Désolée, est-ce que j'ai dit ça comme ça? Oh, ma voix devient aiguë quand je suis nerveuse. Maintenant, j'aimerais bien faire un vœu pour Noël. Ah oui, qu'est-ce que tu voudrais? C'est pas pour moi, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un vrai congé. Dont jamais tu ne reviendrais plus de ta vie. Oh. North Lake, c'est l'idéal pour John, il entraîne ses 5 fils là-bas. On est à côté, tu as aussi un club de voile ici et 2 merveilleuses filles. Il y en a au moins une qui est merveilleuse. Ne laisse pas tomber Eve. C'est ce que tu disais pour Joy, quand on aurait presque dit qu'elle se droguait. Joy n'aurait jamais fait ça. Pas toujours évident de trouver la bonne solution. Bon, je vais réfléchir à tout ça.
Non, sérieusement? Je dois raccrocher. Et encore merci de m'avoir appelé, Brie. Bye. Tiens, glucides plus protéines. Comment va ma sportive? Bien. Tant mieux. On s'est inquiété. Mais je me sens bien maintenant. En fait, je me sens mieux que bien. J'ai la pêche. J'aime entendre ça. Dis-moi, tu es inquiète pour le volleyball? Non, je crois pas. Je sais que ces championnats, parfois, ont tendance à te déstabiliser. C'est tellement étonnant d'avoir l'impression de faire partie de tout. Bien sûr, être capitaine implique plus de responsabilités. Dis-moi, est-ce que je peux te demander un truc? Évidemment. Vas-y. Est-ce que j'ai toujours été bonne en volleyball? Joy, qu'est-ce qui t'arrive? C'est très surprenant, c'est tout. Qui l'aurait cru, j'étais à peine coordonnée. Waouh, nous avons travaillé dur pour en arriver là aujourd'hui. Oh, j'imagine, et tout le monde sait que je suis à l'école. Tu es un leader. J'ai bien reçu une centaine de textos aujourd'hui. Allez, je veux que tu dormes tôt ce soir, pas de téléphone. J'ai prévenu Tom que tu avais besoin de repos. Je veux que tu éteignes dès que tu auras dîné. D'accord. Attends. Pour mes devoirs, je fais comment? Les devoirs? Écoute, si un de tes profs te fait une réflexion demain, j'interviendrai. Cool. Oh, et demain matin, retour au programme normal. Au programme normal? Oui. Wouhou! Debout et avec le sourire! Oh, attends. Allez, on a 8 km à faire avant que la planète ne se réveille. Debout, ma petite sportive! Wouhou! C'est parti! Quelle heure il est? On y va! 5h35. Oh, d'accord. D'accord, j'arrive. J'arrive. Quel parcours tu veux faire? Le plus court? Non, le plus long, par le parc. Par le parc? Est-ce que ça va? Je sais vraiment pas rien. Allez, suis-moi. Ok. Premier arrivé. Allez. Ok. J'ai gagné. J'ai couru si longtemps. C'était génial. Et je t'ai battu, toi. Ouais. T'y arrivais pas. C'est vrai? Non. Oh. Oh, ouais. Et tu sais quoi? Peut-être que c'est grâce à tout le repos que j'ai eu hier. Je parie que tu me battras demain. Ouais, on verra. Bon, tu veux prendre ton petit-déj? J'arrive dans une minute. Ouais. Est-ce que ça va? Ouais. Lévi, arrête! Chut, Lévi! Oui, c'est bon! Oh, t'exagères! Je sais, c'est moi ta préférée! Hé! Zack? Casse-toi de ma propriété! Excuse-moi? Je veux que ni toi, ni ton petit survêt moulant ne vous approchiez de mon chien! Il mord, quoi? T'as déjà oublié? Mais c'est pas vrai, ne dis pas ça! Alors pourquoi ta famille porte plainte contre lui auprès de la commission de santé? Je savais pas. J'en ai rien à faire. Pars-toi. Sinon, je te jure que j'appelle les flics. Allez! Désolée. L'entraînement s'est bien passé? Oui, c'était génial. Joy et moi prenons le même petit déjeuner. Il faut qu'on soit à égalité. Merci. h 35, aboiement avec de brèves interruptions. Que se passe-t-il? Quand a lieu la prochaine audition? Dans 3 semaines. Le juge a ordonné une chirurgie des cordes vocales et s'il ne s'exécute pas, il faudra le faire piquer. Mais... Oui. Vous êtes en train de parler du chien des Hockstatter, Lévi? Il est très important qu'on se débarrasse de ce chien. Pourquoi?
Elle va bien? Tu sais que le chien des Hockstetter déclenche des crises d'angoisse chez ta sœur. Tu le sais. Oh. Les matins sont difficiles pour ta sœur, mais on ne peut pas dormir tous les jours jusqu'à midi. Non. 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 Les cures ne sont pas réservées aux seuls toxicomanes, Joy. Je sais, oui, évidemment que non. Tu en as besoin? Ne me touche pas. Tu pourrais monter ton assiette et manger pendant que tu te prépares. Ta sœur va t'emmener à l'école. J'ai besoin du couteau, pardon. Eve, puisqu'on est toutes les deux, je veux que tu saches que tout ce que j'ai est à toi. Tu sais, je veux absolument tout partager avec toi. Le docteur Mike dit que je dois être maître de mon destin. Oh, c'est une bonne idée. Mais je ne sais pas comment. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Oui. Tu peux sortir de ma voiture. Quoi? Allez, pardon. Voilà ma Joy, salut bébé. Salut, Tom Allison. Tu te sens mieux? Tu sais, tu m'as manqué hier soir, et pas qu'un peu. Mais tu m'as manqué aussi. J'arrêtais pas de penser à ce cabanon avec toi. J'étais brûlant, j'avais l'impression de devenir fou. Et est-ce que tu te sens mieux maintenant? Ouais, si toi tu vas bien. Oui, oui, je vais très bien. Génial. Salut. Est-ce que t'as vu un autre garçon hier soir? Quoi? Non. Tu le jures? Oui, je te le jure. J'étais malade. Mais pourquoi? Pourquoi je ferais un truc pareil? Si jamais je découvrais que t'étais avec quelqu'un d'autre, je te jure Tom, que... Tom, écoute, tu es le seul qui compte à mes yeux. Ouais? Oui. Oh, dis-le encore. Littéralement? Oh ouais. Tu es le seul qui compte à mes yeux. Oh, j'adore. Tu pourrais le dire plus fort. J'ai une idée. Je vais le marquer sur une feuille. Tu pourras le lire quand tu auras envie. Oh. Ok. Voilà. Ça y est. Bon, je crois qu'on devrait peut-être y aller. Ouais, alors, on se voit après les cours. D'accord. Où est-ce que tu penses aller comme ça? Quoi? T'as entraînement avec l'équipe de volley en première heure. Oh, exact. Ouais. Ça devrait être intéressant. Oh. Pense à moi. Ouais? Oui. Tu as passé la nuit à lancer des cyberattaques? Excuse-moi? T'inquiète, c'est notre secret. On a un secret, nous? Sam, c'est moi, Joy. On est allé au bowling pour Halloween, t'as pas oublié? On a tous les deux attrapé la varicelle de Ronnie Oldhauser quand on était au CE2. Alors là, je sais pas ce que tu racontes. Enfin, on a réalisé un projet de service communautaire au refuge des animaux l'été dernier. On a même passé un mois sans rien manger d'orange en CM2. On a fait de la céramique, on a peur des araignées tous les deux. J'ai pas vraiment peur des araignées. Si, voyons, si tu veux, ça reste entre nous. Écoute, on aime regarder les mêmes séries, non? On lit souvent les mêmes livres et tu étais là pour moi. Tu étais là quand maman est tombée malade. Tu t'en souviens quand même, n'est-ce pas? Écoute, Joy, on va à l'école ensemble depuis qu'on a 5 ans. Exact. Tu m'as pratiquement jamais adressé la parole. On devrait continuer comme ça.
Et salut, Jean. Salut, ma belle. Ça va? Approchez les filles. Alors, Joy, tu vas bien aujourd'hui? Oui. Parce que si tu nous couves quelque chose, tu dois me le dire et on étouffera ça dans l'œuf. Non, je vais bien. Tant mieux, superstar. Bien. Dans deux jours, nous allons affronter les Churchill en finale du championnat. Et l'année a été dure, j'en suis consciente. Nous avons affronté certains adversaires impressionnants. Alors, demandez-vous, pourquoi avons-nous été capables de gagner? Parce que nous avons Joy. Ah, oh, d'accord, c'est vrai. Je n'attendais pas cette réponse, mais oui, oui. Elle est une actrice importante de notre, notre succès. Ah oui? Absolument, c'est reparti. Ne me fais pas attendre. Donne-moi un. Encore? Mais moi, je dirais travail d'équipe. D'accord? Formez un bloc en étant solidaire. Comme ça. J'aimerais constater que vous êtes d'accord avec ça. Allez, faisons un match amical pour s'échauffer. Venez ici, mesdames. Oui. Un, deux, trois, break! Break! Bien sûr. Break. Joy? C'est à toi. Yep. Adorable. Soyez dynamiques, les filles. Faites tourner. Rappelez le ballon. Incroyable. Alors, c'est demain la finale, il va falloir... On se retrouve tout à l'heure, je dois passer à la bibliothèque. Oui, c'est ça. Tu vas voir Tom dans la réserve. C'est drôle. Salut. Salut. J'adore tes chaussures. Non, non, c'est vrai. Tu sais que je ne vais plus en cours de musique maintenant, mais je suppose que toi non plus. Tu n'as jamais vraiment aimé le hautbois. Et, tu veux savoir un secret? Tom Addison, il sent vraiment la tarte aux pommes chaudes. Qu'est-ce que tu veux de moi? On était amis, voyons. Sur une autre planète? Oh oui, c'est un peu ça, en fait. Je n'ai pas joué de hautbois depuis l'école primaire. Pourquoi est-ce que tu viens me parler? Oh, eh bien, je pensais que peut-être on pourrait, je sais pas, faire des trucs ensemble, toi et moi. J'ai l'impression qu'on s'entendrait bien, c'est vrai. On peut peut-être quand même essayer, si ça te dit. D'accord? Je pourrais te dénoncer pour harcèlement. C'est gentil. Merci, merci. Ok, quelqu'un a l'esprit d'école parmi vous? Ouais, ouais. Je n'entends rien. Wouhou. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, joli travail. Demain, l'équipe fille de volleyball joue contre Churchill en finale de la Coupe du Championnat d'État. Et on va les écraser juste comme ça. J'ai raison ou pas? Oui, j'ai raison. Merci, merci. Et maintenant, je veux vous présenter quelqu'un. Un de nos athlètes qui va dire quelques mots. Et cette personne est... c'est... oh, bon sang, elle est le pilier de notre équipe. Et à chaque match, elle nous sort de situations critiques. Elle joue pour toute l'équipe, elle aide tout le monde. Pas que moi, mais moi, c'est sûr. Je sais que vous savez de qui je parle. Je devrais pas pleurer. Bref, je l'aime et je sais que vous l'aimez aussi. Elle est seulement en seconde année, mais c'est de loin la star de toute la ligue. Vous savez de qui je parle, alors faites du bruit pour Joy Wellman. Quoi? Viens. Allez, Joy.
Belle, tu ne feras croire à personne que t'es timide. Allez, viens là, ma jolie. Oh mon Dieu. Allez, on y va. Je voudrais ne plus jamais te lâcher. Tu sens bon, tes cheveux sont si lourds. Elle peut tout faire. Tom. Oui. Jusqu'ici, tout va bien. Je suis désolée. Tu sais quoi ? Dis à tout le monde le fond de tes pensées. Ouais. Sam Walker ? Sort avec Mimi Tagelmeyer ? Quoi, cette histoire ? Je suis désolée. Non, tu étais très bien. C'est gentil, mais je ne crois pas que je sois faite pour parler en public. Arrête, c'est pas ta faute, c'était l'assistance. Si ils étaient plus en crois-moi. En plus, la pression te provoque des réactions bizarres. Essaie juste d'oublier tout ça. Merci, coach Weber. Et appelle-moi coach. Coucou. Alors, c'était comment ? C'était bien. Et pourquoi c'est pas Eve qui me ramène ? Vos emplois du temps sont différents, tu le sais. Exact. Elle commence ses cours de kickboxing aujourd'hui. Oh. Kickboxing. Tu voulais qu'elle vienne avec toi chez le docteur Mike ? Oh non, non. Sauf si c'est elle qui veut m'accompagner chez le docteur Mike, d'accord. Rappelle-moi qui est le docteur Mike. C'est le spécialiste chargé de ta préparation physique. Ah oui. Et ton coach de vie aussi. Donc le sport, c'est toute ma vie, en fait. Oui. On pourrait dire ça. Alors, comment s'est passé le week-end ? Plutôt mitigé. Est-ce que vous avez des soucis avec votre famille ? Vous pouvez tout dire au docteur Mike. Le docteur Mike me prend pour une barjo. Et vous, vous vous sentez barjo ? Je sens un peu barjo. Est-ce que vous ne cessez jamais de prendre des notes ? Oh, je ressens comme une pointe d'hostilité. Bien. Et vos sentiments à l'encontre de Tom ? Tom ? Alors, là, je n'arrive pas à croire à quel point il m'aime. Mais oui, c'est dingue. Il met toujours la pression pour avoir des relations sexuelles. Excusez-moi. Vous n'êtes pas obligé d'aller au cabanon si vous n'en avez pas envie. J'ai pas tellement envie de parler de ça maintenant. Pas du tout. Ah, d'accord. D'accord. Alors donc, comment ça se passe avec votre sœur aînée ? Eve. Vous avez une autre sœur aînée ? Oui, c'est quoi cette histoire avec ma sœur ? On veut tester le docteur Mike aujourd'hui. J'ai toujours pensé qu'elle était si épanouie. Eve a l'impression de vivre dans votre ombre. Et votre réussite lui donne un sentiment d'infériorité. Certaines personnalités ont un caractère mieux adapté à un enfant unique. Ça craint. Et oui, c'est vrai. Et vous ne devez pas oublier de donner à Eve sa propre lumière. Oui. J'essaierai. Excellent. Ça progresse. Sans blague. Bon, essayons quelques associations de mots. Je vois que vous êtes très réceptive aujourd'hui. Allons-y. Dites juste ce qui vous passe par la tête. Prête ? Oui. C'est parti. Bam ! Sam. Sam ? Oui, il... On est dans la même école. C'est mon poteau. Poteau, c'est-à-dire ? Un poteau, mon meilleur ami. Oh, je vois. Enfin, c'est ce qu'il était avant. Ok. On continue, on va en essayer un autre, d'accord ? Oui. Ne pensez à rien. Prête ? Loin. Vraiment ?
alors, le docteur Mike? Génial. Il voudrait que tu prennes rendez-vous avec lui. Moi? Tu devrais faire les haltères et ensuite la cardio. Attends, je ne devrais pas faire mes devoirs d'abord? L'entraînement d'abord. Les devoirs s'il te reste du temps, tu connais les règles. Évidemment. Ouais. Essaie d'aller jusqu'à 110. Là, je rêve. Hé ! Mais ce sont les décorations de notre mamie ! Comment tu sais que ça appartient à notre mamie ? Tu nous espionnes ou quoi ? Quoi ? Pose ça tout de suite. Ah ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu as quelque chose à dire pour ta défense? Alors toi, tu vas avoir de très gros problèmes. Qu'est-ce que tu dis? Je vais dire à mon père ce que t'as fait. Oh, tu vas lui dire ce que moi j'ai ouais. fait? Dis-lui plutôt ce que toi tu as fait. Tu n'as pas le droit de jouer avec des allumettes. Je te l'ai toujours interdit et reste là. Va te faire voir. Oh. Où étais-tu? Un enfant avait lancé son ballon dans le jardin. Et tu lui as rendu? Oui. Joy, tu sais qu'on est en procès avec ces gens. Oh, pardon, j'avais pas réfléchi. Tu ferais mieux de retourner à tes exercices. Ton père vient de rentrer. Oui, j'y vais. Oh, les haltères, vite, vite, vite. Allez. 101, 102. Oh, salut. Je termine les haltères. Bien. Où est Eve? À son premier cours de kickboxing. Ah, c'est toujours mieux que toutes ces heures passées à lancer la hache. Regarde pas. Oh, allez, regarde. C'est dingue. Joy? Hein? Tout va bien? Oh, Tom, mon père veut me parler, quitte pas. T'as pris ton sachet de vitamines? Oui, et j'ai mis de la glace sur mes genoux et terminé ma boisson protéinée. Ah, c'est bien, ma fille. Est-ce qu'on va toujours courir demain? À ton avis. C'est toi qui décides. Excellente réponse. Mais c'est le jour du match, alors garde tes forces pour te donner à fond. D'accord. Dors bien, ma sportive. Bonsoir. Et t'invite. Maman, est-ce que j'ai déjà joué d'un instrument? Tu adorais la musique quand tu étais petite. Toujours en train de chanter, de t'inventer des instruments. On aurait dit les frères Jonas. Enfin, tu n'as pas de frère et tu n'es pas un garçon non plus. Mais tu aimais la musique. D'accord. Dans ce cas, tu n'as jamais pensé à me faire prendre des cours? Joy, avec ton emploi du temps. Oui, je sais. Je me disais juste que si... Tu sais ce que ton père dit toujours. Personne n'a jamais eu besoin de boissons énergétiques pour jouer du violon. Je vois. Raccroche le téléphone. Je demande que ça. Ok.
Hé, hey, Tom, tu sais, on parle depuis une heure, ok? Et mes parents veulent que je dorme. Non, je sais, mais de toute façon, tu vas me voir demain. Oui. Oui, tu es le meilleur. Tu es le seul. Tu es un vrai prince. Oui, d'accord, tu me manques, mais je vais raccrocher maintenant. Il faut que je te laisse. Oui, je raccroche. Oui, toi aussi, tu me manques. Moi encore plus. On se voit demain. Rien de très grave. Écoutez, je connais les Hoxtateurs depuis toujours. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Si tout allait bien, vous ne seriez pas là à 7h de la matinée. Vous ne jouez pas au volley-ball avec Roosevelt? Si. Et vous courez aussi le relais? Oui, 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 c'est vous la fille qui avait réalisé ce temps incroyable aux 100 mètres. Oui, en effet. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe? Bon. L'adolescent qui vit ici a filé cette nuit. Zach? Vous êtes sûr? Oui, il a laissé un mot. Mais ne vous en faites pas, la plupart de ces gosses reviennent d'eux-mêmes et on est sur le coup. Joy! Désolée. Qu'est-ce que ça veut dire? Zach Hoxtateur s'est enfui cette nuit. Oh, et tu vas risquer un coup de froid ou pire en courant dans tous les sens en petite tenue. Non, en fait, j'ai vu la police, alors j'ai voulu savoir de quoi il s'agissait. Oh, ça ne me surprend pas que ce gosse ait fugué. Il a une telle expression de haine sur le visage à longueur de temps. Dis pas ça, c'est pas du tout son genre. Il est inventif et il est marrant, et il est gentil aussi, parfois, et... Tout n'a pas été facile depuis que sa mère est morte. Joy, d'où sors-tu tout ça? Je trouve que c'est pas bien de dire des choses méchantes sur ces gens. Qu'est-ce que t'as, Marcy? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est enfuie. Elle a laissé un mot. Quoi? D'accord, merci. Le docteur Mike pense que ça a quelque chose à voir avec ton match de volleyball. Il suppose qu'on est plus ou moins dans la même situation qu'avec le championnat de softball. Exact. Et même quand je jouais au softball. Elle avait mis le feu au garage. Comment on peut oublier ça? Qu'est-ce que le docteur Mike nous conseille de faire? Il ne veut pas qu'on appelle la police. Et pourquoi? Voyons, elle est en probation depuis qu'elle a mis le feu à la maison. Il pourrait la priver de ses plus belles années. Exactement. Oui. Tout ça, c'est de ma faute. Non, ma chérie, non, ne dis pas ça. Oh, si, crois-moi, c'est de ma faute. Écoutez, pour l'instant, l'important, c'est de rester confiant, d'accord? Attendez. Et si on allait voir à côté? Il ne faut pas l'oublier, Zach est parti lui aussi, et ça peut être une coïncidence. Le docteur Mike suggérait d'interroger les voisins. Tu vois, génial! Oh mon Dieu! Quoi? C'est tellement évident! Elle a été kidnappée par le psychopathe d'à côté! Bingo! Quoi? Ma petite fille! Je m'en doutais! Mais sa voiture n'est plus là! C'est évident, il a volé la voiture d'Eve pour l'emmener! Elle a laissé un mot, ça n'a aucun sens! Il lui a fait écrire sous la contrainte! Quoi? Tu crois qu'il lui a mis une arme sur la tempe? Non, Zach ne ferait jamais ça. Tu sais quoi, on va y aller tout de suite. Ce sale petit crétin. On y va. On y va? Joy, dépêche-toi. J'arrive. Hé, non, oublie la balle, pas la balle. On se connaît pas, tu comprends? Ce cinglé de chien a vraiment l'air de bien t'aimer. Ouais, c'est trop bizarre. Nous voulons parler à ton père.
Bonjour. Oh, désolé, je vous fixais. Quelque chose m'est tellement familier chez vous. Je suis votre voisine la plus proche. Non, ça n'a rien à voir du tout. Oh, j'y suis. Ce sont vos yeux. Regarde, elle a les yeux de mon grand frère. Oncle Timmy. Oui. Comment vous savez ça? Il faut qu'on parle. Oui, d'accord. Entrez. Pose-moi ça. Il paraît que votre fils, Zach, a disparu. Vous savez où il est? Comment le saurait-on? Notre fille aînée, Eve, a également disparu cette nuit. Oh, peut-être qu'ils sont partis ensemble. Nous pensons que votre fils a enlevé notre fille. Pardon? Vous avez bien entendu. Mon fils ne connaît même pas votre fille. Il sort quasiment jamais de la maison. Il est scolarisé à domicile. Quoi? Il est scolarisé à domicile? C'est pour ça que je le vois jamais à Roosevelt. Zach et Eve s'appellent sur FaceTime depuis des mois. Ils ont aussi des noms de code. Lui, c'est Dark Vador et elle, c'est Lizzie Borden. Vous voyez? Bon, ça ne veut pas dire qu'il l'a enlevé. C'est peut-être comme Roméo et Juliette. Ce serait plutôt du style né pour tuer. Oh, c'est le film préféré de notre fille. Ok. Il semblerait effectivement qu'ils sont partis ensemble. Elle a laissé un mot? En fait... Nous ne sommes pas venus ici pour subir un interrogatoire. Nous voulons des informations. J'aimerais voir la chambre de votre fils. Il y a peut-être un indice. Ouais. D'accord. Si vous voulez me suivre... Ah, c'est pas trop tôt. Il y a un peu de désordre. Un peu de désordre? Oui, un petit peu. Oh. Relax. Si j'étais vous, je ne m'appuierais pas sur la rampe. Elle risque de céder. À ce point-là, Bob? Ouais. Oui, je sais que nous avons un peu de retard pour le ménage. C'est rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, tout va bien. Ils sont inoffensifs, ils sont même très gentils, en fait. C'est des rats de laboratoire, on les élève pour les vendre. C'est-à-dire, j'ai été licencié l'année dernière. Je travaillais pour une agence de pub et donc... On fait ça pour la recherche, ça met un peu de beurre dans les épinards. Je voulais élever des lamas, mais c'est un peu gros. Quoi? Merci, Miles, c'est bon. Ouais, mais... Alors, voilà, allez-y, c'est là, c'est la chambre de Zach. Je vous en prie, entrez. Oh mon Dieu, c'est quoi tout ça? Son groupe préféré, c'est Satan Sandals. Ça me donne la nausée. C'est assez triste, je sais. Pas vraiment grand public. Ça sent pas mal la chaussette, à vrai dire, alors... Ça vous suffira? Oui, nous en avons assez vu, Bob. Bien, je vous raccompagne. J'ai encore des questions à vous poser, un tas de questions. N'hésitez pas, si je peux vous aider. Trop aimable. Nice! Mon dos et mon cou et mon coude. Je savais qu'on n'aurait jamais dû venir ici. Personne ne vous l'a demandé. Je vais appeler la police et leur parler d'Eve. Je vous l'interdis. Non. Ils s'appellent Sel et Poivre. Qui veut leur dire bonjour? Miles! Je veux sortir d'ici, par pitié. Au revoir, revenez quand vous voulez. J'ai mal. Vous aurez des nouvelles de mon avocat. C'est les yeux. Miles! Vraiment, je vois pas pourquoi j'aiderais pas à la retrouver. Tu ne peux rien faire. En plus, les athlètes doivent être à l'école où ils ne jouent pas. Tu le sais bien. Oui. Là, j'emmène ta mère à l'hôpital pour des radios. Puis nous parlerons à nos avocats. Papa, est-ce que tu vas leur faire un deuxième procès? Ils ont vraiment pas l'air d'en avoir les moyens. Au pire des cas, on les accule à la faillite, ils plongent et ils déménagent. Au mieux, ce que je souhaite, ils ont une bonne assurance, nous récupérons du cash et nous partons. En tout cas, nous ne les voyons plus. En fait, j'aimerais qu'on puisse tous s'entendre. Remets-toi vite, maman. Oh, merci, chérie. Chérie, ça ne peut pas te faire si mal que ça. Si, ça peut. Salut, Sam. Écoute, je suis vraiment navrée pour hier, ok? Je voulais pas t'humilier. Ni Mimi. Elle a rompu avec moi. Oh non, c'est pas vrai. Tu veux dire ça aussi devant toute l'école? Histoire de les faire rire. Sam, c'est bon. Salut. Je suis réellement désolée. Sam, allez, écoute-moi. Je sais. Elle nous déçoit, je sais, c'est brutal. Hé ! Stop ! Quoi ?
Joy, il faut qu'on parle. D'accord. Tu veux que ça se passe au bureau ou devant ton équipe? Allez-y. Tu ne joues pas le match ce soir. Qu'est-ce que tu en dis? Pardon? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Demande-toi plutôt ce que tu n'as pas fait, Joy. Dans ce système, la seule condition pour rester dans une équipe, c'est le passage en classe supérieure. Et tu le sais. Une minute... À condition de passer en classe supérieure? Pour jouer, elles doivent juste avoir un C de moyenne. Oh mon Dieu, mon Dieu. Tu sais quoi? Et je n'ai pas un C de moyenne. Elle rend vraiment les choses difficiles, non? Vous plaisantez là, n'est-ce pas? Mais je suis intelligente! Je préfère utiliser un stylo à plume en maths parce que, ne vous méprenez pas, je réfléchis. J'ai le tableau d'honneur. Tu es folle, ok? T'es sérieuse? Je sais des tas de choses! Des tas de choses! Très bien! Tu t'es mise, et tu as mis l'équipe et l'école tout entière dans une terrible situation. Et ton père ne pourra pas t'en sortir cette fois. Qu'as-tu à dire pour ta défense, Joy? On est toutes oui. J'ai super mal à la tête. C'est pas mon problème. Je suis super déçue. Joy! Joy! Incroyable. Écoutez, je suis sincèrement désolée. Bien jouer de la clarinette. La clarinette n'est pas le plus facile des instruments. Peut-être devriez-vous demander à vos parents de vous offrir des cours de piano. J'en ai déjà suivi. Donc vous jouez du piano? Oui, depuis longtemps. Presque toute une vie. Vous lisez la musique? Avant, oui. Je ne sais plus, mais je peux m'y remettre très vite, à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est trop tard pour suivre le cours? Je pars à la retraite le semestre prochain. Le prochain professeur devrait avoir plus de... d'énergie. Vous lui en parlerez. Vous allez partir? Enseigner à des adolescents sans oreilles conduit à la dépression. Une condamnation à perpétuité de fausses notes. Et je n'en peux plus. Ah mais... Bye bye. Ah. Mais qui c'était celle-là? Hé, hey, Montana. Oh bébé. On devait se voir à l'interclasse. Oui, j'étais je sais. Tellement inquiète. Pardon. C'est un peu difficile. Eve est partie de la maison cette nuit. Et le garçon qui vit à côté aussi. Le garçon d'à côté? Oui. Zach Hockstetter. Il est scolarisé à domicile, tu dois pas le connaître. Donc tu te soucies plus d'un vulgaire voisin que moi? Pardon? J'ai pas dit ça, j'ai dit que lui et Eve avaient disparu. Oh d'accord, je viens d'inventer ce garçon qui vient à côté de chez toi et te bouleverse. Tu veux peut-être aller dans son cabanon, c'est peut-être déjà fait. Tu peux te calmer s'il te plaît. C'est pas du tout ça, ok? Ne fais pas comme si ça ne voulait rien dire pour toi de sortir avec le gars le plus mignon de l'école. Moi? Je voudrais te demander une chose. Est-ce que le fait qu'Eve soit partie de la maison a quelque chose à voir avec toi? Qu'est-ce que t'as dit? Réponds-moi! Oh non. Il est vivant? Il respire encore. Il est tellement séduisant. Ouais. Quand sa bouche est fermée, il est irrésistible. Eh. T'as pris des cours de secourisme l'été dernier, non? Son rythme cardiaque est normal. Oh, ben alors, fais-lui donc du bouche à bouche.
Bien joué. Oh, bonne chance. Vous êtes au courant? Eve Wellman et un certain Zach Hockstetter sont barricadés dans une supérette sur Emerald Street. Oh mon Dieu. Allez, faut que je me change. Nous les avons localisés, mais ils ne veulent pas sortir. Nous envoyons une équipe du SWAT. Hé, hé, vous ne pouvez pas aller plus loin. Ma grande sœur et mon frère sont à l'intérieur. Stop! Zach! Eve! Laissez-moi entrer, ma fille est à l'intérieur. Oh, s'il vous qu'est-ce plaît. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dieu merci, vous allez bien. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Mais pourquoi vous êtes là? Quelqu'un a pensé avoir besoin de provisions pour notre petit road trip. Un road trip? Seul coup, on était encerclés par les flics. C'est le fusil airsoft de papa? Mon père ou le tien? Ce n'est qu'une carabine airsoft. Tu as menti sur quoi d'autre? Je t'ai menti sur rien du tout. Je n'arrive pas à croire que vous vous êtes tous les deux sauvés de chez vous. Je ne me suis pas sauvée de chez moi, d'accord? C'est toi que je voulais fuir. Oh, c'est très gentil, merci. Je sens que ça pourrait mal tourner. Pourrait? C'est trop tard. Écoute, Joy, tu dois nous aider maintenant. Et comment? Ils t'écouteront, toi. T'as qu'à leur dire qu'il s'agit d'un malentendu, c'est tout. Un malentendu? Ouais. Pour toi, tout ça, c'est un malentendu? Je pense que tu me dois bien ça. On est des sœurs. Attendez. Vous pouvez mettre plus fort? Désolée, tu peux mettre plus fort? Quoi? Qu'est-ce qu'il faut mettre plus fort? La musique. Tu peux monter le son? Joy, c'est pas vraiment le moment de jouer les DJ. Jack, je te dis que je connais cette chanson. Tout le monde connaît cette chanson. Non, je l'ai apprise à la clarinette. Ils ont ce genre de carte? Pourquoi vous ne nous dites pas exactement ce que vous voulez? Attendez. Ces cartes gardent nos secrets. Qui te dit que nous avons des secrets? C'est sûrement pas elle qui va nous aider, crois-moi. Joy, tu peux te concentrer sur le problème actuel. Mais c'est ce que j'essaye de faire. Prends une carte. Pas question. D'accord, je vais le faire. J'en choisis une. Merci. Famille. Ouais, la source de tous nos problèmes. Ouais, t'as raison. Ok, Zach, prends une carte. Non. Pas de soucis, je le fais pour toi. L'amour. C'est pas vraiment mon truc. Vraiment? Changer. Oh non. Zach! Eve! Je peux plus respirer! Tu le crois maintenant qu'on est cuit? Vous m'entendez, Joy? Clignez des yeux si vous m'entendez. Vous comprenez ce que je dis? Clignez des yeux si vous m'entendez. Sam? J'ai envie de discuter avec toi. Où est-ce que je suis? Vous êtes à l'hôpital, vous avez eu un accident, mais vous allez bien. Je me sens pas bien. Non, mais ça va, je vous le promets. Je ne me souviens de rien. Vous savez qui vous êtes? Non. Vous inquiétez pas.
Je vais aller chercher quelques personnes. Je crois que ça vous aidera. Okay. D'accord. Vous vous souvenez maintenant? Je suis Joy. Oui. Joy. Hockstetter. Récupérer juste à temps pour Noël, ma grande. Mais elle vient d'où, cette banderole? Oh, ça? Des filles de l'école l'ont apportée la semaine dernière. Ce sont des cheerleaders! Oui, elles étaient gentilles dans l'ensemble. Enfin, l'une d'elles était un peu... méprisante. Ah, Brie! Oui, c'est ça. Celle qui portait le nom d'un fromage. Bon, mais Montana est arrivée et elle l'a vite éclipsée. Oui! Et il y a un footballeur aussi qui est passé. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Tom a dit... Tom Addison est venu me voir? Ce nom-là, oui. Oui. Et il a dit qu'il obtiendrait des crédits pour le service communautaire. Génial. Je vais aller allumer les guirlandes de notre sapin de Noël. Joy, tu n'imagines même pas comme il est cool, tu vas voir. J'ai trop hâte. D'accord, fais bien attention. Oui, à tout de suite. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble à l'hôpital. Je suppose que quelque chose a fait clic. Waouh. Oui, allons dire bonjour. Oui. Salut, grand frère. Hey. Est-ce que tu vas bien? Oui. T'as l'air d'aller beaucoup mieux. Merci. Viens là. Allez, ça suffit. J'arrive pas à supporter tant de charges émotionnelles. Je sais. Joy. Oui? C'est génial que tu sois de retour. Je suis heureux de te voir à la maison. Nous t'aimons tous. Moi aussi. Je t'aime. Je porte tes affaires à l'intérieur. Tu m'as manqué, papa. Toi aussi, tu m'as manqué. Ça y est, de retour à la maison. Enfin. Comment tu te sens? Bien. Vraiment très bien, en fait. Marcy va être si contente que tu sois rentrée. Mais elle a adoré s'occuper de Lévi. Lévi! Viens là, mon beau. Oh, mon chien. Bienvenue. Merci. C'est tellement bon d'être de retour. C'est vrai. Vous m'avez manqué. Beaucoup manqué.
Je connais quelqu'un qui est prêt pour sa promenade. Je l'ai accompagné depuis l'accident. Miles et moi, on y allait ensemble. Waouh! Je me demandais, est-ce que ça vous dirait de venir avec moi un de ces jours? Oui, j'aimerais bien. Vraiment. Moi aussi. On se verra demain pour le dîner de Noël. On va faire le dîner de Noël ensemble? Oui. J'ai toujours rêvé d'avoir plus de monde autour de la table. Et finalement, mon rêve devient réalité. À tout à l'heure. Alors, à demain. Bonjour. Bonjour, Sam. Alors, t'es vraiment venu me voir tous les jours à l'hôpital? Oui. C'est plutôt cool. J'ai fait pas mal de boulot pour eux. Ah oui? Leur système de sécurité n'est pas extra. Oh, ça existe quelque part? Dans la vraie vie? Joy. Oui? Je veux bien tirer une de tes cartes si tu me le demandes. Non. Ça ira. J'ai tiré plein de fois la même carte. Ça faisait un peu flipper. C'est vrai? Maintenant, je suis tranquille. Moi aussi. Joyeux Noël, Sam. Joyeux Noël.